dans la configuration ci-contre, laquelle des égalités suivantes est nécessairement vraie? Dans ces cinq égalités, il s'agit chaque fois de l'angle EDF, c'est-à-dire de cet angle rouge. Regardons d'abord dans le triangle BCE. Nous savons que la somme des angles intérieurs à tout triangle vaut 180 degrés, et par conséquent, cet angle BED vaut 180 degrés moins l'angle en B moins l'angle en C. Donc, comme ceci, cet angle en magenta est égal à 180 degrés moins l'angle en B moins l'angle en C. Et donc, l'angle AED, cet angle-là, vaut 180 degrés moins l'angle magenta. Donc, cet angle vert vaut bien 180 degrés moins cet angle-là. Et cette différence donne de suite B plus C. Dans le triangle AED, la somme des angles intérieurs vaut également 180 degrés. Par conséquent, l'angle ADE, c'est-à-dire cet angle-là, vaut 180 degrés moins l'angle vert moins l'angle gris. Donc, comme ceci, cet angle bleu vaut ça. Et ça vaut 180 degrés moins l'angle en A moins l'angle en B moins l'angle en C. Et par conséquent, l'angle rouge que nous essayons de décrire vaut 180 degrés moins l'angle bleu. Donc, comme ceci. Et ce calcul-là donne A plus B plus C. Par conséquent, l'angle rouge EDF vaut nécessairement A plus B plus C. Donc, le E, c'est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.